Alors, pour moi, personnellement, les derniers moments de notre Daichi, je l'ai senti un peu faible. Mentalement, je sentais qu'il était touché, comme je pense que beaucoup d'entre vous l'a constaté. Pour ma part, l'un des derniers souvenirs qui m'a le plus touché, c'est à la sortie de son moto-moto. Quand il est rentré de Paris, il a fait le spectacle au VIP discothèque pour présenter le son officiellement, où on était tous là, pratiquement tous les artistes, hein, la boîte était pleine à craquer. Et là, à la grande surprise, avant de commencer à chanter, il a commencé à tous nous saluer, à tous nous dire que, voilà, en tout cas dire de bonnes choses de chacun d'entre nous qui était assis là, tous les artistes que nous étions. Moi-même en particulier, c'est ce qui m'a beaucoup étonné, ce qui m'a surpris, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il m'a dit encore que tiens, Sko le Sultan, tu es un frère, j'ai pas de problème avec toi, tu n'es pas un ennemi, machin. Bon, j'étais vraiment surpris, donc ça m'a fait bizarre quand même, voilà. Sachant que avec tous nos petits problèmes qu'on a eu, il n'a pas beaucoup réagi et tout. Donc disant ça, bon, ça montre qu'il y avait un truc quand même. Mais on ne peut pas imaginer que ça allait arriver jusqu'à la mort. Et puis voilà, ce qui est arrivé, donc. Ça, en tout cas, on n'oubliera jamais, quoi. C'est notre Bob Marley du coupé décalé. Donc, que son âme repose encore en paix et ensemble. Ivoire TV, musique.